Ah, cher ami, ça va. Moi, je n'ai pas à l'aéroport. Oui. Comment ça va? Ça va bien. Bon, c'est le problème. Enchanté. Madame, bonjour, vous allez bien? C'est Sylvie Loguin, mon nom. Ça va? Enchanté. Ça va bien ici? Félicitations. Bon, oui. Comment ça va? Vous allez bien? C'est Sylvie Loguin, mon nom. Ça va bien? Ah, enchanté. Ça va? Merci beaucoup. Félicitations. Hein? How are you, sir? Good to see you. Peut-être que monsieur l'ambassadeur va s'asseoir. C'est à la mesure du personnage. C'est à la mesure du personnage. Cassez un peu, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, monsieur l'ambassadeur et madame Auguin, encore une fois, merci pour l'honneur que vous nous faites en venant nous rendre visite. Comme je le disais tout à l'heure, là, c'est votre maison. Tout au moins, vous êtes, vous étiez enfin, ceux qui ont pavé le chemin à cette maison pour nous. Et je constate tous les jours que vous y avez laissé votre place et que vous avez rendu la tâche facile. La tâche facile dans le sens où il y avait déjà un système qui était mis en place. Et si, étant donné que si l'homme descend généralement du singe, et qu'on sait que le singe, il s'est imité. Donc il ne fallait que, pour moi, c'était beaucoup plus facile de regarder ce que vous étiez en train de faire et de l'imiter. Donc déjà sur ce point-là, c'était beaucoup plus facile pour nous de venir aisément nous mettre dans une dynamique systématique qui était déjà en place. Et pour cela, je crois que vous avez nos remerciements. Je disais aussi tout à l'heure au staff que vous êtes un serviteur de l'État. Et je vous le disais tout à l'heure, je l'ai dit chaque fois, le sacrifice que vous avez eu à faire au service de notre pays, c'est que vous êtes un serviteur, un fonctionnaire de l'État depuis plus d'une trentaine, 36 ans. Et étant venu ici en tant qu'ambassadeur, j'ai vu les salaires, c'est moi, et je le reconnais, 36 ans, moi j'aime l'argent, je vous le dis clairement. Donc pour cela, je connais le sacrifice que vous avez fait, et pour cela, je crois que la nation devra toujours vous être reconnaissante. Et j'espère seulement que j'aurai la possibilité d'avoir cette grandeur d'esprit qui me permettra de me sacrifier autant que vous l'avez fait pour la nation. Je connais mes limites. Je vois donc pour cela, merci au nom de la République, merci au nom de vos collègues. Je sais que la plupart des cadres de la maison vous tiennent en estime assez élevée. Et vous les avez, j'ai voulu qu'ils viennent aussi. Et comme on dit en anglais, this is a homecoming. Donc c'est un retour à la maison et nous voulons vous souhaiter la bienvenue à la maison à vous et à votre épouse. Merci beaucoup. Si vous souhaitez, merci infiniment. Ne pensez pas à dire que vous êtes vraiment un grand esprit. Je l'ai dit, tout simplement. Un grand esprit. Un grand esprit. Parce que je suis passé ce matin à l'ambassade avec beaucoup de joie. Après, mon 10 mois d'absence. Parce que je suis passé vous saluer tout récemment à l'hôtel à Cotonou. Quand vous avez dit également que je passerai bientôt, si vous m'avez invité à l'ambassade. Alors, vraiment, je voudrais vous remercier pour l'invitation. Vous m'avez remercié de pouvoir visiter mon cette ambassade 10 mois après. Je suis très heureux d'être là et de voir le personnel vraiment autour de vous. Je voudrais vous en remercier sincèrement. Vous m'avez déjà supplié agréablement bien avant cela, pour beaucoup de choses. Je voudrais seulement souhaiter que cette grandeur d'esprit qui vous caractérise, je suis sincère, que cela soit perçu par tous vos collaborateurs et qu'ils se mobilisent autour de vous.
pour relever les défis énormes qu'il y a à ce poste. C'est un poste, comme ils disent, very demanding, où les gens espèrent tout de vous. Hein, tant la qualité pas de la plus grande puissance du monde, on veut que vous fassiez des miracles. Mais il n'y a que Dieu pour vous aider à faire des miracles, donc ne pas le faire. Je souhaite que Dieu vous aide, que vos collaborateurs se soudent tous autour de vous pour vous aider à le faire dans l'intérêt de notre pays commun qui est le Bénin. Je commencerai par féliciter vous-même et le personnel pour les acquis, les résultats perceptibles, n'est-ce pas, en moins de 10 mois, comme je l'ai dit. Et mon épouse est là, elle peut témoigner qu'en décembre dernier, nous avons tous sauté et dansé de savoir que le MCC a été reconduit, confirmé pour le Bénin. Très souvent, de l'autre côté, on ne voit pas le rôle d'une ambassade ou d'un ambassadeur. On ne voit pas, mais et vous devez vous assurer qu'il y a des gens qui savent l'effort que l'ambassade a eu à mettre dedans, vous-même à la tête en tant que chef d'équipe, pour arriver à rétablir cela. C'était un drame pour le Bénin, si jamais on devait perdre cela définitivement. Rien que ça, ça c'est pour qu'ils vont vous dire chapeau, vous et à toute votre équipe. Le MC est là, c'est vrai, il était de l'autre côté, mais il était un acteur principal sur ce dossier-là, pas à cette position antérieure, le directeur américain. Donc c'est moi, c'est à vous tous que je dis mes félicitations et ma fierté de retourner ici 10 mois après et de nous revoir tous vraiment ensemble comme ça. C'est vrai, certains auraient pu dire non, si c'est pour voir ce monsieur-là, moi je ne viendrai pas ici. Il dit que je n'aime pas, je ne vais pas le voir. Et certains ne me plaignent pas. Je les vois tous autour de vous, je suis très heureux, vraiment très heureux. Je vous en félicite personnellement. Et d'avoir su donc regarder ensemble, je souhaite qu'ils continuent de vous assister. C'est pas facile de travailler ensemble, c'est en devenant donc différent, chacun a son niveau, etc. Mais l'essentiel c'est le Bénin. Et ça a toujours été le cas, qu'on s'entende sur le Bénin. Et qu'ils se mobilisent autour de vous. Vous ne pouvez rien faire sans, comme on dit, grand mélodin. C'est-à-dire qu'on s'adosse, n'est-ce pas? Donc il faut que cela, vous adossez sur cela. Et je sais qu'ils sont conscients de leur responsabilité. L'État les a sélectionnés, les a envoyés autour de vous, parce qu'on sait qu'ils sont capables de vous aider. Je souhaite qu'ils continuent de vous accorder la collaboration pour qu'on puisse relever le plus grand défi. Il y a des choses importantes encore à faire. Vous avez réussi le sommet des États-Unis-Afrique. Vous avez réussi le MCC en très peu de temps. Il y a des victoires qui sont encore devant vous. Je ne peux que prier que Dieu continue de vous aider. C'est l'occasion pour me donner également de remercier vraiment tout le personnel qui nous avait déjà fait dans le parti. Hein, parce qu'on a su quand même entretenir l'ambiance de fraternité et de collaboration. Mais comme on dit, il faut être à debout danser dans l'eau. Même si vous le voulez en tant qu'ambassadeur et qu'ils ne veulent pas, vous ne pouvez rien faire. Donc je crois qu'ils se montrent toujours ouverts. La même collaboration qu'ils m'ont offerte, je prie qu'ils puissent vous offrir autant, sinon plus que ça, pour que vous puissiez relever les défis pour lesquels le Bénin vous a envoyé. On attend beaucoup de vous. Ils ne vous rateront pas. Si jamais il y a des chefs, ils ne vous rateront pas. Le pays attend beaucoup de vous. Ce pays est un pays qui est fascinant. Et on veut tout recevoir d'ici. Donc, c'est avec l'équipe que vous pouvez. Je veux vraiment être très bref. Mon épouse et moi, on est en visite privée. Et donc, comme on a eu cette invitation, pourquoi ne pas venir voir les amis. Donc, on est heureux de vous voir tous ensemble. Nous voulons que Dieu vous fortifie tous. D'après que l'on m'a dit qu'il était absent, qui est bien rentré, qui m'a quitté pas très bien. Vraiment, encore une fois, ambassadeur, merci pour tout. Hein. Et puis moi, je suis libre là maintenant, donc je suis disposé hein, de jour, de nuit. Si il y a quelque chose, n'hésitez pas. Hein. Faites-moi ça, je dois tout échanger avec vous tous. Donc, vraiment, merci pour tout. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Bon, à l'ambassadeur, au nom de vous.